star de la chanson, Axel Red a renoué avec le succès en 2022 avec un album de Noël. Connue depuis toujours sous son pseudonyme, la star a un nom bien différent de celui qu'elle porte sur scène. Il aura fallu attendre 20 ans. 20 ans après le tube Manhattan Kaboul avec Renaud, Axel Red a fait son grand retour sur le devant de la scène en novembre 2022. Et c'est dans un tout autre registre que les fans ont retrouvé leur star. Oubliez les titres à sonorité pop, c'est avec des chansons de Noël que l'épouse de Philippe Ovan a renoué avec la musique. Un changement radical que la chanteuse âgée de 55 ans avait expliqué dans les colonnes de Ciné-Télé-Revue. Le Covid m'a cassé psychologiquement. J'ai été très affecté parce que ce premier élan de solidarité s'est très vite transformé en accentuation des discriminations. Mon mari m'a vue éteinte. Il est aussi mon directeur artistique et il m'a proposé cette idée. Cet album m'a régénéré, expliquait Axel Red, plus rasséréné que jamais. Maman de trois filles, la chanteuse avait profité de cette interview pour évoquer le rêve qu'elle a failli réaliser, devenir comédienne. Mais à part un petit rôle en 2004 dans un film belge, l'interprète de sensualité n'a jamais suivi cette voie. Un choix fait par amour. J'ai décidé de ne pas persévérer dans cette voie parce que je savais qu'on ne pourrait pas partager ce truc-là et qu'on se perdrait. Lui comme moi avons fait des choix en fonction de l'autre. Moi, j'aurais voulu avoir une carrière d'actrice, j'aime beaucoup ça, soulignait la star. Pourquoi ce choix de pseudonyme ? Sous le feu des projecteurs depuis 1983, Axel Red avait seulement 14 ans lorsqu'elle a sorti son premier 45 tours, Little Girls. À l'époque, elle se faisait appeler Fabi. En 1985, elle a sorti son second single, Back to Tokyo, sous le pseudonyme d'Axel. Un nom de scène qu'elle a définitivement adopté en 1992, avec son single Elle danse seule, paru sous le pseudonyme d'Axel Red. Mais en réalité, la chanteuse s'appelle Fabienne Demalle. Et si elle a décidé de se faire connaître sous son pseudonyme, c'est tout simplement à cause de ses cheveux teints en roux. Le Red fait référence au côté ardent et battant du caractère de la chanteuse. D'ailleurs, son huitième album studio s'appelle Rouge Ardent. Sa signature, sans l'ombre d'un doute.